Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale, cette émission qui reçoit pour vous différents visages de tous les domaines, comme je ne cesse de le rappeler, nous sommes dans tous les domaines. On vous présente différents visages, les leaders d'opinion, pour analyser et parler d'eux, de leur parcours, de ce qu'ils font et de tout ce qui se passe dans notre entourage. Vous allez comprendre, le décor a changé, nous ne sommes pas sur place chez nous à Lubumbashi. Dans une mission de service, on se retrouve à Kinshasa et nous avons été bénéficiaires de l'hospitalité d'un homme de Dieu que vous connaissez très bien, celui qui nous a très bien accueillis chez lui et qui a accepté de faire avec nous cette émission. Il s'agit bien ce soir du prophète Denis Lessé qui nous reçoit chez lui. Bonsoir papa. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue dans cette émission et recevez les salutations de la population du Katanga. Ah, tu sais que moi j'étais à Lubumbashi, ouais. Je suis Kassapar, ouais, donc j'habitais Cobalt D, okay. Prolongement de l'hôpital Saint de Jusqu'en bas et puis tu vas là-bas. Je vois venir le Kassi. Ouais. Donc ma et puis j'étais, ma commune, ouais. Okay. J'étais aussi à J23 en tant qu'échevin chaque année de Kassapar. Mais pourquoi vous ne venez pas trop à Lubumbashi? Je viens, mais pas trop. Je viens chez Moïse, je viens chez Muyambo, mon ami, parce que j'ai étudié avec Muyambo, on était en droit avec lui. Okay. C'est mon ami, mon collègue. Okay. Lui et moi, John Kabila, le général, tout ça. Il y a beaucoup de collègues qui sont ici, sont des procureurs généraux, d'autres sont au niveau de cour constitutionnelle, d'autres ils sont un peu partout. Okay. Moi, je suis Kassapar. Alors, cher prophète, il n'est pas encore possible de vous présenter dans ces pays. Vous êtes très connu. Mais respectant la logique de l'émission, d'une manière brève, vous pouvez nous parler de vous. Qui est Denis Lessé? Un monsieur qui est né à un certain 12 août au village à Bandundu. Toute ma famille est née dans les hôpitaux, en ville, sauf moi. Je suis né certains 12 août, donc dès ma naissance, je suis né à la maison. Ma grand-mère était sage-femme, il a coupé le cordon, je suis sorti. Et j'ai grandi avec un leadership inné, j'ai terminé primaire, je suis parti au collège, je suis parti au petit séminaire pour devenir prêtre. J'ai fait tout ce qu'il faut, mais j'ai fui parce que je ne voulais pas être prêtre parce que j'aime le mariage. Okay. Je n'ai pas trouvé que je vais mentir en faisant le vœu de chasteté. Voilà. J'ai fini, je suis parti à Lubumbashi. Après Lubumbashi, je suis parti encore faire certaines études ailleurs. Et puis beaucoup d'autres cours de correspondance. Donc j'ai fini la théologie en doctorat et j'ai fait la licence de droit. Et je suis un spécialiste de beaucoup de choses en matière théologique. J'ai fait la théologie classique, j'ai étudié les domaines différents. Je me suis spécialisé sur les sciences occultes et sur, on appelle ça numérologique, c'est-à-dire j'utilise plus les chiffres. Je peux prendre la révélation au travers des chiffres, mais moi-même j'ai appelé ça chiffrologie. Okay. Donc c'est moi qui ai créé ces chiffres et ces noms-là, bien que c'est le numérologique, mais moi j'appelle ça la chiffrologie parce que c'est moi qui ai essayé de faire ça pour étudier. J'ai défendu ce qu'on appelle le panneau de la révélation. C'est-à-dire j'ai fait quelque chose, par exemple quand on voit des signaux, comme dans la côte de la route, moi je fais des signaux spirituels, quand on voit le bois, quand on voit l'eau, quand on voit le palmier, quand on voit papaye, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur? Spirituellement, ça fonctionne comment? Chiffre 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ça s'apprend à l'école ou c'est une propre inspiration à vous? Ça s'apprend à l'école, mais moi, j'ai créé ça comme ma thèse. Ok. Donc, j'ai montré que Dieu peut parler par des chiffres. C'est pourquoi tu peux me donner la date de naissance, je peux te dire ta vie en toute entière. Quand tu es né en telle date, moi, je peux détecter ta vie et te dire, et c'est exact. Parce que dans le chiffre est caché un message codé de Dieu. C'est pourquoi j'ai travaillé sur ça, c'est pourquoi je prophétise. Quand tu me donnes ta date de naissance, je n'ai plus besoin de te parler. À partir de chiffres là, je commence à te prophétiser, je te localise. Le 1er septembre 1985. Pardon, attends, quelqu'un peut me donner un stylo.
je vais faire ce calcul-là. Le 1er septembre, septembre. Mais il faut me donner en chiffres. Septembre, c'est quel? Voilà, le 1er 9. Donc, le 1er 9. 9. Oui. 1985. 1985. Ouais. Donc, 1 déjà c'est la divinité, 9 c'est la domination. 1 c'est la divinité, 9 c'est la domination, 8 c'est l'épreuve, double épreuve, 5 c'est la guérison. Donc, c'est d'abord une bonne date de naissance. Ah bon? Parce qu'il y a 8. Un seul défaut dans la date de, dans la date de naissance, c'est 8. L'épreuve. Oui, l'épreuve qui, tu vas vivre certaines, certaines grandes épreuves dans ta vie. Mais il y a toujours la guérison qui sera présente. Il y a la domination. Quand tu vas quelque part, tu as la domination. Tu gères, tu domines les gens qui sont à côté de toi. Ils sont intimidés quand tu es là et puis ça te crée des problèmes. Et puis tu ne peux pas réussir sans Dieu parce qu'il y a deux fois un, un. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu as la domination. Avec Dieu, tu feras toute la domination. Puis 5, c'est la guérison. Bon, j'ai fait les calculs. 1 plus 9, ça fait 10. 10 plus 1, ça fait 11. 11 plus 9, ça fait 20. 20 plus 8, ça fait 28. 28 plus 5, 33. Il y a d'abord deux chiffres, résurrection, résurrection. Donc, chaque fois que tu as un problème, Dieu te ressuscite toujours. Même si tu as un problème de quel niveau, tu t'en sortiras toujours dans ces problèmes-là. Et tu as des grandes épreuves qui peuvent varier, même si les gens disent, mais Edgar va mourir. Mais tu vas t'en sortir toujours. Et les combles que si on chiffre, on donne ces chiffres, on trouve 6, qui est un mauvais chiffre, pas pourquoi. Mais les deux chiffres ici te donnent déjà la garantie de la réussite de la vie. Mais le 6 ici, c'est un chiffre du travail abattu. Sans travail abattu, tu ne peux rien trouver. Donc, facilement comme ça, pour que quelqu'un te donne, c'est difficile. Il te fait des promesses, rien. Et tout ce que tu vas réussir dans ta vie, c'est toujours un fruit de la mer. Quand tu travailles dur, tu as le succès. Quand tu travailles dur, tu as l'argent. Quand tu ne travailles pas, tu attends les gens. Personne ne t'aidera. Mais les gens te demandent de l'aide, les gens viennent chez toi pour... Et si tu en as, tu donnes. Si tu n'en as pas, tu expliques, les gens ne croient pas. Mais c'est le travail qui est le fruit de ta grandeur. Donc il faut bosser dur. C'est ça la CFSO. Parce qu'il y a 6 jours du travail. Ça dit, il faut travailler, travailler. Or, le 7e jour, c'était le repos. Toi, ton repos, c'est le travail. Pendant que les gens se reposent, toi tu travailles. Et c'est ce travail-là qui sera ton mode de vie. 1, Dieu est toujours avec toi. 9, tu as la domination en toi. 1, c'est Dieu qui est avec toi. 9, c'est le chiffre que j'avais dit à Fali, la domination. Comme tu es là, quand on te met quelque part, c'est comme si c'est toi le patron de l'endroit, mais pourtant il y a des chefs, mais les gens voient en toi l'esprit de pouvoir. Okay. Oui, tu n'as qu'un seul défaut. L'épreuve et le 6. Le 6 ici, c'est la somme. Mais dans le 33 qui donne véritablement ton chiffre final, tu es dans la résurrection. Parce que Jésus a commencé à 30 ans, il est parti, il est enlevé à 33 ans. Donc, il est monté. Donc, tu as l'élévation dans ta vie, tu as la résurrection dans ta vie, mais la somme qui nous donne 6, qui n'est pas un mauvais chiffre, parce que 3 plus 3, ça donne 6. 6, qui n'est pas le chiffre 666, qui n'est pas le diable, au fait, mais le 6 ici, Dieu voulait seulement te montrer que tu dois travailler pour vivre. Est-ce que vous avez des bons témoignages sur ces calculs que vous faites? Oui. Vous l'avez fait avec beaucoup de gens? Beaucoup de gens, oui. Et ils se retrouvent? Oui. Parce que j'ai parlé devant toi. Comme je parle là, tu te retrouves. Je n'ai pas le temps de te poser la question si c'est vrai ou faux, parce que tu te retrouves. Non, mais je dois être sincère, en fait, je me retrouve dans ce que... Oui, c'est-à-dire que c'est une grande révélation que Dieu m'a donnée dans cette histoire-là. Et quand tu viens au mon bureau, au lieu que je commence à te dire des choses, tu me donnes seulement la date, je t'explique et puis on passe à autre chose. Parce qu'à partir de là, je peux aller trop loin. Si on était à D, je peux aller trop loin, étudier chiffre par chiffre et puis calculer. Je te dis exactement ce que tu es. Donc très là. Ouais. Alors, parce que, prophète, dites-nous, comment c'est arrivé que vous deveniez serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelqu'un vous a amené là-bas? Les parents ou quoi? Moi, je n'aimais pas Dieu.
la prière, parce que j'ai fui le petit séminaire, j'avais la vocation, mais j'ai fui. Donc j'ai fui souvent Dieu. Mais à un moment donné, mon frère ici là, mon grand frère qui priait beaucoup, nous obligeait la prière, on ne peut pas aimer une copine. Tout est péché chez lui. Tout. Alors à un moment, j'ai craqué. Il m'a amené à l'église. Chez frère Othon, à Gombe, c'est un comité urbain, là où les mandats ont converti beaucoup de gens. Je me suis converti là-bas. Mais 2 ans après, après conversion en 80, je commence à prêcher, je deviens serviteur de Dieu. 2 ans après, j'étais fatigué. J'ai fui. J'ai pris mes habits, la valise et puis tout ça. Je suis parti au village. J'ai pas comme mon papa beaucoup construit des belles maisons comme ça. J'ai dit, bon, tout le monde a fui, il est à Kinshasa. Moi, je vais devenir un homme d'affaires. C'est ainsi que je commence à vendre des carburants. Comme il avait laissé les bateaux, il a laissé les canaux rapides. Alors quand le bateau pétrolier arrive, moi je peux acheter du carburant et je vends dans tout ça contrée-là. Comme il y avait des groupes électrogènes, il y avait tout, des panneaux, tout. Moi j'étais à l'aise. Alors je suis resté seul, j'ai l'électricité, j'ai tout, j'ai des camions, j'ai des voitures, j'ai des voitures même là-bas. Donc j'ai trouvé que je régnais. C'est un jour comme ça là, j'étais avec mes amis, on buvait. C'est ainsi que mon oncle qui est pasteur qui vient. Alors, il nous trouve, il dit, demain, vous allez jouer à l'église. Il y avait un orchestre normal. J'étais musicien. Ok. Ouais. C'est comme ça qu'il me dit, j'ai tout abandonné, hein, la parole, pendant 9 mois. Et j'ai régné, je suis tombé 9 mois, je venais à Kinshasa, je fais mes aventures, je rate. J'ai coupé les études. C'est comme ça que mon oncle vient. Il prêche. Mes amis me regardaient. Il m'a dit, on va à l'église avec toi. Ceux qui veulent prier avec moi, viennent. J'étais convaincu que maintenant, là, c'est mon temps. Je suis parti à l'église. Tout le monde est parti, mes amis. Dès que j'entre à l'église, tout le monde a fui. Il dit, non, ne fuyez pas, les gars, là, c'est un grand prophète. J'ai pleuré le matin, il m'a pris dans sa moto, nous sommes partis dans un village où lui, il était directeur d'une société là-bas. Il m'a fait 3 mois dans la forêt, nous on dormait, il m'a enseigné, s'il plaît, on fait la tente et puis on reste là pendant 3 mois. Il m'a fait sortir, j'ai fait une année de formation sur la Bible, sur le naturel, sur la surface, sur tout, la famine, il m'a vraiment formé. À la sortie, on est parti dans un grand groupe de prières où on était en train de prier. Il m'a dit que tu vas recevoir le Saint-Esprit et Dieu fera de toi un grand prophète. Ah, moi prophète, oui. C'est ainsi que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je suis précis, mais c'est un exercice de concentration. Des fois, l'élévation, on n'a plus de contraste. Tu vois, quand tu es élevé, tu as la foule, tu as des communications, des fois tu n'es plus concentré. Le rire, la seule chose qui peut détruire ça, c'est la distraction. L'ivresse, parce que quand tu es dans une concentration de l'esprit, l'ivresse peut enlever cette histoire. Et ensuite, les femmes d'autrui. Ce sont des choses interdites. Chaque homme de Dieu a des interdits. Moi, j'en ai 13 et un interdit supplémentaire. Je ne peux pas sortir avec une femme d'autrui. C'est-à-dire, une femme mariée, je ne peux pas toucher. Mais célibataire, oui. Dieu m'a défendu la femme d'autrui. Pas de célibataire. C'est-à-dire, célibataire au gros honneur. Na erwana, oui. Ernie. Na erwana, on a aussi à l'examen. Je n'étais pas marié. Okay. Donc, ces choses-là, l'ivresse, c'est pour mon spirituel. La femme d'autrui, c'est pour mon spirituel. Et Dieu m'a dit de ne pas prier avec les gens. Parce que la seule personne qui connaît ton état d'âme, c'est toi-même. Je sais que je ne suis pas propre. Je ne prêche pas.
que je ne suis pas propre, je ne pose pas le maître. Je sais que je ne suis pas propre. Je vais assister au culte, mais je ne prêche pas. Et puis, je ne peux pas boire même un morceau de vin avant mon culte. Et Dieu m'a fait beaucoup d'exercices, papa. Moi, j'ai assisté dans des grands pays comme la France, où le DGST me récupère, pour que je puisse localiser certains malfaiteurs qui ont fui Paris pour aller ailleurs. Ah bon? J'ai eu beaucoup d'argent sur ça. Mais j'ai refusé ça parce que les gens commençaient à m'utiliser comme un, tu comprends, non? Comme un gounza ou comme un féticheur. On m'a arrêté ici par le pouvoir de Kabila Père. Le chef de la sécurité m'a pris jusqu'à quelque part. On lui a dit, mais les garçons là qui parlent, les trucs qui donnent des prophéties aux gens là, prenez-les. On m'a donné une Bible. Les gars, devant les autorités, me dit, bon, donnez nous le nom que le père de ces messieurs lui a laissé avant la mort, sinon on t'arrête. C'est un grand test qui a été fait. Je leur ai dit, bon, ok, écoutez, je vois dans la Bible, en crayon souligné Joseph, le type est tombé. Le militaire, j'ai dit, arrêtez. Ce n'est qu'une prophétie. Il dit, tu es censé. Je dis, non, vous voulez m'arrêter, je finis la chose. Et ces jours-là, je lui ai dit, toi, tu seras élevé 3 fois. Et il est devenu titulaire de Ranel. Il s'appelle l'État. Et c'est ce l'État-là qu'on a arrêté à la mort de Mosé. Parce que je lui ai dit, j'ai vu Mosé mourir. Allez lui dire ça. Ah bon? Il a fait 20 ans en prison avec... Capin. Oui, quand je parle là sur la télé, je respecte mes mots. Quand les gens blaguent avec Denis, ils parlent n'importe quoi. Moi, j'étais à Lubumbashi. J'étais avec Frère Mpoui au niveau du quartier Jekamine. On avait une église là. Mm-hmm. J'ai travaillé fort de l'autre côté là. Il y a une fille qui s'appelle, je crois qu'elle est morte, Nounouche. Nous, on était à Cobalt de l'UT1. Ouais. Je lui ai dit, un jour, tu seras élevé vers la grandeur. Tu sais ce qu'elle était devenue. Elle est morte, la fille. Moi, j'ai été reçu par des grandes personnalités du monde, président du Brésil, Sarkozy, tout ça. J'ai prophétisé, le jour où tu reviendras, je mets des photos et des images. Comme ça, tu peux exploiter ça pour que les gens de Lubumbashi aussi bénéficient de ça. Ici, j'ai déjà montré. J'ai été reçu par le roi du Maroc. Je lui ai donné des prophéties qu'il est aujourd'hui. J'ai donné des prophéties de Bozizé. Il est devenu président. Il avait épousé la fille de l'Arche. Bonsoir. Oui. J'ai prophétisé. Il travaillait avec le fils du président Brazzaville. On l'avait tué là. Comment il s'appelle? Ngwabi. Oui, son fils à Paris. Je les ai prophétisés. Donc, j'ai passé beaucoup d'étapes. J'ai dit à Kabila, tu feras 15 ans en face comme ça. Mais il y aura une petite prolongation. Mais voici ce que Dieu veut. Tu feras 15 ans. Il a fait 15 ans. Plus de 2 ans qu'on est parti solliciter au niveau des États-Unis. C'est l'Église qui est partie solliciter. Nous, les confesseurs religieux, on est parti aux États-Unis pour chercher ces catholiques qui a demandé 2 ans. Nous, on a demandé 5 ans, beaucoup d'années, mais les catholiques avec l'ONU ont accepté 2 ans. Et c'est comme ça que le président Kabila a fait 2 ans de transition. Plus le 15 ans. Le jour où le 15 ans est arrivé, les troubles ont commencé au niveau du palais du peuple. Et Kabila sait. La mère m'avait invité avec tous les spécialistes du temps de Kazadi. J'étais à la nerf principale pour donner les chemins des 12. Et j'ai donné les chemins qu'ils ont utilisés jusqu'à ce que les choses arrivent. Avec tout ce que vous venez de dire, oui. Avec preuve. Moi, j'ai dit à Sarkozy, tu seras président. Pendant qu'il est maire de Né, en face comme ça. Et le jour où il est venu ministre de l'Intérieur, il m'a invité en France. Et c'est comme ça que j'ai commencé la relation. Et c'est comme ça que je lui ai dit, tu seras président. Et il est devenu président. Et j'ai fait en sorte qu'il puisse venir aussi ici. Je l'ai convaincu de venir au Congo. Est-ce que vous pensez que l'Église a réussi sa mission dans notre pays? Non. L'Église n'a pas réussi. Au début, oui. Mais au moment où nous parlons, l'Église est dans la déviance. C'est dû à quoi? C'est dû à la politisation de l'Église. L'Église est politisée. Quand on parle de politiser, on voit l'argent. Et la main qui donne, c'est la main qui domine. Toi, tu me donnes 200 000 dollars. Tu crois que je vais parler quoi? Moi, je mange l'argent et je te dis la vérité. Mais les autres, ils ne peuvent pas dire la vérité.
Parce que moi, si tu me donnes l'argent, je dirai ce que Dieu me dira. Mais je mange l'argent. C'est là où j'ai souvent des problèmes avec des politiciens. Je suis franc, tu vois. Moi, je suis l'ami de Moïse Katoubi, je suis l'ami de Mouyambo, je suis l'ami de tous ces gens-là. Mais quand il s'agit de dire la vérité, je dis la vérité. Le premier argent que j'ai acheté à la maison, c'est l'argent de Moïse Katoubi. Ok. Oui, il m'a appelé, je suis parti chez lui. J'ai montré une image à Lubumbashi où j'ai montré l'école Katouba, l'école Tinoene, ou un truc sale comme ça là. J'ai montré. Et j'ai montré des cafards à l'hôtel là, Caravia. Mm-hmm. Je suis courageux, je l'ai fait. Il a appelé moi ce gars. Je suis parti chez lui. Il m'a donné l'argent. Et il me dit, tu fais combien de jours? J'ai abrégé mon voyage parce qu'il veut me donner encore l'argent. J'allais faire une semaine, je lui ai dit, je fais 3 jours. Il me donne l'argent, je suis venu pour acheter la première maison de ma vie. Malgré le bruit que je faisais là, j'avais l'argent, mais je n'achetais pas. C'est l'argent qui m'a acheté la première maison dans la ville de Kinshasa. Si tu vas là, tu vas voir un grand hôtel qui est dans cette maison-là, une grande villa qui est là. Donc, c'est là où Dieu m'a ouvert les portes. Ce gars-là m'a donné beaucoup d'argent. Et si vous reconnaissez que l'Église n'a pas réussi sa mission, pourquoi vous continuez à rouler les peuples de Dieu? Je ne roule pas. Moi, je suis en train de défendre l'Église. C'est pourquoi je condamne les maquionnats, les pratiques des faux messages. Voilà, je ne veux pas de faux miracles. Voilà, je ne veux pas de l'homosexualité à l'Église. Je ne veux pas lesbianisme à l'Église. Dans la rue, oui. Mais moi, l'Église, un pasteur... C'est pourquoi je suis en train de fustiger tous ces pasteurs à double cime et tout ça, des faux miracles et tout ça, parce que Dieu nous a fait du bien. Et c'est Dieu qui nous a fait du bien. Papa, si je suis ici, c'est grâce à ce Dieu-là. Il m'a béni, il m'a donné l'argent, il m'a donné le nom, il m'a donné des gens. Tu vois. La semaine passée, là, j'ai vu Salomon qui m'a appelé. Le matin, je vois le téléphone, il y a l'argent. Mais qui dit que Salomon, qui dit Moïse, non? Ouais. Mais ce n'est pas parce que je suis en train de parler des... Parce que souvent, on est ici, là, je ne vais pas parler d'eux. Mais, tout le temps, des fois, Moïse passe ici, il m'appelle, « Denis, tu es où ?» Je suis, j'arrive, j'avais d'achou, il parle l'argent, il me donne beaucoup d'argent. Il m'a même donné beaucoup d'argent pour faire la fête, pour chercher l'argent, pour construire, qui quitte, chercher des morgues. C'est lui qui a payé l'argent. C'est lui qui a payé la nourriture, les gens de Bami. Mais tu vois, souvent, je parle à l'émission ici, tu n'as pas vu son nom. Dieu nous fait du bien, mon frère. Et les gens nous donnent des offrandes, même si on n'est pas compétent, avec nos erreurs, nos impudicités, nos mensonges. Les gens là nous bénissent. Mais on dit, on doit arrêter pour dire que non, servons le vrai Dieu parce que ces gens-là nous aiment. Si dans les petites erreurs, Dieu, les gens nous bénissent encore. Mais si on devient très sérieux, quel sera notre sort? J'ai vu quelqu'un me couper à l'émission et une personne m'achète une télévision de Zonotif. J'ai vu comment je marchais dans une voiture, la voiture... Pendant que je partais au stade, ça ne démarre plus. Et un monsieur qui était derrière moi, une grande autorité me donne la clé d'une Hyundai Neve, une femme. Une femme que je bénis. Il est en Belgique maintenant. Babi, vraiment, que Dieu te bénisse. Jeune fille, hein, me donne la clé d'une Hyundai Neve. Dieu peut nous surprendre. Il nous fait du bien, mais nous, on ne veut pas faire du bien à ce Dieu-là. Moi, je vais le défendre jusqu'à ma mort, jusqu'à la dernière nuit. Tout le combat que tu vois sur moi là, c'est parce que je suis en train de dénoncer de mauvaises choses. Et c'est pourquoi les gens m'attaquent. Vous vous reprochez de quoi? Hein? Vous vous reprochez de quoi? Moi? Bon, ce que je peux dire, il y a des erreurs que j'ai commises dans l'église. Dieu m'a appelé à 14 ans. J'ai fait la puberté à l'église. J'ai commis des erreurs. Parce que je ne veux pas que... La génération ici là commet ça, ça sera. Deuxièmement, je n'ai pas su former l'école prophétique pour laisser l'héritage à tous les prophètes qui peuvent venir. C'est là où Dieu m'a interpellé, dit voilà les mains qu'on a là. Tu n'as pas su maîtriser les siens. Tes aînés n'ont rien fait, toi aussi tu n'as rien fait. C'est pourquoi je veux organiser une école de prophétie, une école prophétique pour former des prophètes. C'est la seule chose, la dernière chose qui me reste, c'est de construire la plus belle église. Il y a quelqu'un qui m'a donné une parcelle de 250 mètres. J'ai acheté sur 200 à limiter. Mais je vais chercher les moyens. On m'a dit il faut 13 millions d'euros pour que je construise la plus belle église. Donc, c'est là où je suis en train de me concentrer maintenant pour donner à Dieu cet édifice
et lui donner le meilleur de soi. Mais il m'a tout donné. En fait, si aujourd'hui vous entendez quelqu'un dire qu'il n'y a aucun argent sous l'église, il y a un argent. Aïe, pas non. Pour on a signé les gars bêta pour on a nous on a bah erreur bah nini, on a commis ce qu'on mature. Et en tant que mature, objectif n'anga bah toi qu'est nul. Parce que l'argent, Dieu ne me donne jamais l'argent à l'église. Dieu me donne toujours l'argent dehors. Pourquoi vous parlez trop argent? J'aime l'argent. Vous savez un dame. J'aime l'argent. Après Dieu c'est l'argent pour moi. Vous aimez beaucoup l'argent? Pas au point où je peux sacrifier des gens, non. J'aime l'argent parce qu'il répond à tout. Pas me dominer. Je peux manquer l'argent, je suis tranquille. Vous n'avez pas constaté que vous, les hommes de Dieu... Ne me mettez êtes... pas dans vous. Parle de moi parce que ne me mets pas dans cette assiette. Non, parce que c'est un constat. Tu vois Pierre? Non, attends, je vais t'expliquer. Ouais. Tu vois Pierre? Ouais. Il était dans la pirogue des gens. Il a vu Jésus, les gens critiquaient Jésus... C'est un fantôme, effectivement. Ils ont vu que c'est un fantôme. Pierre a dit non. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je quitte ce bateau des injures pour que je vienne vers toi. Il a mis le pied, il a marché. Il est devenu aussi fantôme. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas de race des gens qui critiquent. Non. Moi, quand je parle quelque chose, c'est que j'ai des preuves. Tu vois ma différence avec beaucoup des hommes de Dieu. Quand je dis que celui-là est homosexuel, c'est-à-dire j'ai des preuves. Quand je dis que celui-là... Il y a des hommes de Dieu homosexuels dans ces pays? Mais presque non. Maintenant, monsieur, la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a que des homosexuels. Oh. En fait, je l'appelle les doubles cibles. Des côtés, ils fonctionnent devant et derrière. C'est ça, ouais. Et puis, mon gars, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, pour moi, je vais vous dire, 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 pourquoi 50 000 euros? Ce qui a 50. Mon père a commis à cro chaque jour, tant n'est pas dans la 7, 350 000 euros. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais je suis voice wana. Voice wana, mutu wana atinda ki yango pa musicien mo. Musicien wana sikoyo a marié. Alors musicien wana ya la mission wana na France. Azo benga ya bengi eto ya tikile 13 messages. Alors moi c'est à Tomboki. Ami mais ami mon bal na ina douche mais moi mbali wo tikete pe musali. Siko yo tango zo kenena e moi no azo pesa la sima na e boue. Ayo ka pas cité yo pe donc yo ndire ke kamuni abina tiki mais hier zo nana. C'est ainsi que la femme du musicien envoie maintenant le message à la femme de la personne. C'est la femme de la personne quand il a écouté le message qui nous a envoyé ça. Bon la bota mutuna bino. Et c'est là où le divorce. C'est que dossier on est sur. Bon ma cause. Bon yo ke lo wa ma bela. Mais la MC est bon. Out your balance. Ah, je évité je suis dit, il n'est pas intérieur. Oh, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu, maintenant, ils sont de le cœur et les reins. Dieu regarde l'intérieur. Et maintenant, hey, comme l'intérieur, personne ne le voit. C'est pourquoi il joue avec des gens, avec les aspects extérieurs. La beauté, les véhicules, les tout là, les habillements, la beauté. Et ils se vantent qu'ils sont beaux, ils sont puissants, ils sont ceci. Or, dans l'intérieur, il n'y a rien. Parce que quand tu dis quelque chose, la chose doit s'accomplir. Les délits que les gens connaissaient, c'est-à-dire, j'ai dit, moi j'ai pas joué à Angeli, j'ai vu la pluie qui commence, j'ai dit, pluie, arrête-toi. Là où j'ai prêché, il n'y a pas de pluie. Les délits que je connais. Et les gens fouillaient là-bas, entre là où j'étais, obligés de m'écouter. Pour qu'ils dénient les soins qu'ils n'ont. Exact, fois deux, mais si le baba étouffé, il n'y a pas. Banane. Banane. Banane.
na puissant hein na ma kelele et ça rend la puissance et ça rend la dignité et ça rend la bilogalo combien de fois na côte va boloko ya makasi ça va escroquerie non jamais je n'ai jamais été escroc na na ntawa to sali réconciliation avec ce n'a pardon na pena spengier pe pardon pourquoi parce que to bumana qui dans le vide c'est l'état qui a récupéré les choses papa na zalaka na 21 voitures il y a luxe les latrines peut-être de 10 mais na na 21 voitures il y a temps délé ça go temps mola na amerte na mona ngou voiture moro na ki na lo pango ti na piscine la voiture les acquis et pourquoi la celle c'est grave babilon ko penda o ya commande ba kite rouge na na ba type mystique non na ibana attends na ngou mingi te mais na zoaka toujours biloko ezan na temps na respecta ka mubutu Mercedes ko zanga na lupango te range ko zanga na lupango te et loko ko zanga te donc babiloko yo oyo ko zanga na homme ma Ferrari a te parce que za la pièce te je dois être honnête avec moi-même na zibiloko yo et ko iko défendre nga na la ta bien et puis vrai na somba ka liboko vrai donc biloko na nga nyonso za vrai. Ok, ma cambo on des okimisa. Les okimisa te. Yo kan expliquer. Comme pour misa. Non. Trop vantard. Non. Trop ngai. Nga kutula na biloko wana te papa. Niveau nga na zali. Soki na na biloko wana batu musu ba o vivre tu na kinte. Parce que moi je me fin. Yo ye bi adresse au parce que oye émission. So oye ba émission te ou oye ba mutu kona tamo wana mote. Na bite so zoko fa. Oye a wapo na pesu adresse au kote na dako. Mais ce qui a été la démission dans le studio, il y a ma vie dans ma tête. Je ne suis pas orgueilleux. Ce qui a été orgueilleux, c'est que je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux. Or, je suis dans deux vies. Parce que dans deux vies, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux. Si je suis orgueilleux, je suis un jeune pasteur. Je suis orgueilleux, je suis orgueilleux. Mais je suis un bon parce que l'argent répond à tout. Mais l'argent ne me domine pas. Je suis à la période où je suis papa. La voiture, je suis en taxi. Je suis comme à l'église, dans ce taxi, deux mètres avant, je suis en taxi. J'ai passé des mois comme ça. J'accepte. Mais la force est à mon côté. Pour que je sois bon, il faut que je sois en train de me crédit, de vendredi. Donc je suis tout le temps à l'église. Quand Dieu a pitié de moi, il m'a béni. Mais ceux qui n'ont pas été là-bas, je suis en train de gouverner, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu de temps. On a boit déjà. On a boit déjà. Exemple, ceux qui n'ont pas été là-bas, na obo malanga beguise nyo sona osaka kipita na wa gouverner mais avo longwa un jour. Alors ouais, c'est pour te comprendre que l'argent je l'aime seulement pour bana balia na résoudre carburant na somba ngam na sombi arge ba arge nyo songa mon na somba na mbongo nzaba pesa na libanda na ye na sombi na pienkolo ba passer les belé ba kozza ba ngo wa mon na ba re bandi mes belé ba kimio ezan bazali c'est normal na sali 7 ans libanda ba te fa ba di. Un jour, na balaki, la paix de 3 kilos. La jeune fille, nyon so bagaose, li bala, nga na eba ete. Bakimi. Bakimi. Moko a yelinga ti na podium. Okendo bala. Yoka, na komi na igizi go, a yelinga bi, eh, ule abenga ta de nation de les, o de ni obali. Nga bi bon, ta on a za o liye pa na bino ana, yo za yina ba sentiment na nga bi e. Ah, bon o si pika yelinga te ni. Mère pe a sa awa, kakinza te le miwana. Parmi mes filles, je suis en analyste, mais je suis en train de faire un engagement. Mais pourquoi ça a annulé, puis ça a vendu ça. Na podium, a dit un chèque, a dit $10,000. Je n'ai pas eu le papier que nous avons quitté dans le magasin, il y a assez, 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 il y a assez,
y a un break à Kala. Donc, mais pour décevoir avant d'y aux Ozawana, Ozawana, Non. L'air à Koba là, ou à Kéba la États-Unis, ou à Kéba la Koto, ou à Kéba la Koto. Naïté. Moi j'étais dans les bases normales, dans des bases normales. Nanazara, Moutoumoko, gauche, droite. Je t'ai dit. Au moins l'air, on a sa émission. Là aussi, c'est à 19h. Attends, moi c'est en haut que le Makam, Nana RT. Moi j'avais 48 émissions par semaine. Pendant 14 ans, dans la désert. Moi, je suis allé au niveau 6 à la porte à Zan. À la bannie sous classe de Sous. À la 27 ans. Yami Balé au tourna à Géné, 17 ans. Yami Sato tourna à Géné, 10 ans. Mais Karo, je suis allé au Botaté. Des nations tout chité dans la émission. Oui, oui. C'est pas une émission non, parce que vous êtes vers Babylon. J'ai aimé, ça c'est très fort. J'ai aimé. Style dans l'émission. Vraiment, tu as accès ici. Vraiment, on a pétage, c'était nos maçons. Donc c'est très bien. C'est bien le style au PP. Pétage, j'ai eu ça le succès. Moi, moi, ici, Simbi. Donc vraiment, félicitations. Merci. Donc, c'est ça, Denis. Quelqu'un qui ne craint pas, quelqu'un qui ne recule jamais. Je suis un lion. Ce qui n'a qui n'a qui. Si on a coûté obstacle, on a contourné. Si on a contourné, on a négocié. Parce que ils ont la guerre, nous sommes ici dans la négociation. Et puis ils ont la guerre, nous sommes ici dans la contourné. Dans la troisième guerre, ils sont en affrontement. Donc on a Yébi, école de guerre, spirituellement. Pasteur, d'une façon brève, on va finir notre émission. Je suis né dans une famille de 11 personnes. Okay. Nous tous sommes des pasteurs et des hommes d'affaires. Tous les 11. Tout le monde, oui. Il y a un homme sur la banque. La banque est belle, tout le temps, on a bougé. Nous sommes avant la salle d'affaires, nous sommes à travailler dans l'Élysée, avec le directeur informatique, donc nous avons réussi à tout. Mais si tu as besoin de ce serviteur de Dieu, dans la banque. Et ça, c'est l'univers, il y a eu un mythe au Catélix, il y a eu un mythe au Catélix. Si on a 4 églises, on a 4 églises. On a 4 églises. Oh, oui, 100 000 et si loin. Bon, si mon on sali, on sali 3 mois, ou yéko pépé sur moi, tous va pé moutou, tout pé sa yotika na base. Moura benga papa nana Maroc, ou sa melanga lobi na onzo avion na okota France. Mais yon soki mongo. Donc, bakei, ba mon yon son atikale na 100 personnes, na bani sous, na sali si, kandengwa na nan lebate. Ngam na somi arche, ngam na tongyango, ngam na somi soma, ngam na pessimos. Chez moi, je suis le premier pasteur. Moi, je mérite que Dieu me bénisse parce que moi, je donne. Si vous avez quelques mois, on a payé 200 dollars, on a payé mon santé, on a payé 50 à l'okuta. Ce qui n'a plein air, c'est un bureau dans le salon. J'ai supporté beaucoup d'enfants à Kenya, Moko à Tangi, en Tunisie, à Sisi licence, Cheg, Moko à Sisi, en Maroc, à Sisi licence. Moko a travaillé dans le ministère de la Finance, au Bali, Moko a moi à travailler ce que na dans le ministère Yamin. Ça, c'est la vie. J'ai donné la vie. Maintenant, comment sont mes parents dans mon réel? Pour papa, il y avait un ami, non, moi je suis béni. Va vers vos parents. Moi, je suis allé au Fénila. Moi, je suis allé au Fénila. 15 personnes, 15 personnes. Je suis allé au Fénila. Je suis allé au Fénila. Je suis allé au Fénila. C'est ça, un homme de Dieu. Cher prophète. Papa Nazo mérité Nathan. Vous êtes. Il a eu 250 coups de foi à Bino Bassoï. Vous êtes accusé, les églises sont accusées d'être à la base du sous-développement de ces pays. Bien vous autres distraire tout trou. Oui, il y a trop de distractions. Votre lecture. Oui, j'accepte. Parce que Mbato Abomi, comme on les a pasteur dans l'église. Ton salaire est combien de mois pour toi, Bimisa Moutaseni? Bagarre, Tito Kabouane. Comment ça, exemple non. Comment mais papa, les gens peuvent suivre si, ce genre d'exemple? Oui, mais les gens sont libres de rester à la maison et de trouver là où il y a Dieu.
Il n'y a pas de problème. Je suis pour ça. C'est vrai? Oui. Vous découragez les gens? Non, je ne décourage pas. J'amène les gens à réfléchir. On ne peut pas faire des bêtises parce que les gens doivent être avec nous. Non. Si quelqu'un trouve que de l'aise, ce n'est pas juste, ne viens pas dans mon église. Cherche là où il y a Dieu, vrai Dieu. Va. Et curieusement, c'est là où les hommes de Dieu font des bêtises qu'il y a plein de gens. Voilà. Parce que, non, là, c'est une autre dimension. Là où il y a des bêtises, là, c'est les sciences occultes. Parce que là, on va utiliser l'esprit d'Anouka pour dominer et hypnotiser les gens. Et là où on hypnotise, quelqu'un n'est plus conscient. Quand le passé fait des bêtises, il ne voit pas. Si tu es l'élu de Dieu, tu sortiras. Mais si tu n'es pas l'élu de Dieu, tu mourras là-bas. La Bible dit, le séjour des monts ne proviendra contre elle. Elle, c'est l'église. C'est la conférence que je vais faire le 14 mai à l'Arche de Noé. Pourquoi? J'appelle tous les pasteurs de Kinshasa et les leaders des églises de Kinshasa. Ceux qui viennent, viendront. Je vais défendre la cause de ce que je fais aujourd'hui dans ma base. Je suis évêque président des églises des réveils réformés au Congo. On a plus de 11 000 plateformes, c'est-à-dire on peut avoir plus de 10 millions d'habitants, de fidèles dans les 26 provinces. Donc, je gère ces gens-là. Mais je ne gère pas. Nous, on est des réformés. On n'accepte pas les choses que les réveils acceptent, les choses que les autres l'acceptent. On est une confession religieuse. Bien qu'on n'est pas classé parmi les 8, mais nous sommes une confession religieuse. Nous gérons des gens. Je fais la démonstration à l'église, ils ont vu. Et je vais te démontrer encore les 4. Je vais démontrer encore les 31, mais ils vont voir. Je ne vais pas faire trop de bruit, mais ils vont voir la démonstration de la foule. Ça dit, nous sommes des leaders d'opinion où je peux dire, bon, je ferme 10 églises de 2000 de mes enfants. Venez des éléments. C'est ce que j'ai fait à ma Chine hier. Il y avait plus de 500 pasteurs. J'ai dit, bon, vous allez amener 50 fidèles par église. Faites ces calculs-là avec 50 personnes. Le truc là est déjà rempli. Bossa à Nina, on bossa à concours à va plein. Tes concours, je suis en train de montrer que les gens au Barbadélé, ça s'y. Un leader ne répond pas par la bouche. Il répond par les actions. La démonstration. Tu vois, au délai, ça s'y lit. N'a bimi ce pétage. Bah, sentir que Moutou a s'y laté. Pour Moutou, il y a un bon moment. Bah, tu vois, on dit, mais là, on a été. C'est un message. On a créé nos babes. Non. C'est pétage à bête. Photo n'a pas n'a pas si, banini, tout ça. C'est pas la photo n'a pas, mais c'était moi, n'a pas mon. Pénien. Moi, n'a pas rien à couper, n'a pas coupé. Toi, n'a pas mis on a mis ce beau, ce que tu sais. Aza moi, n'a oui. Maman Tina Vanaki en face n'a pas Baba avocat en face. Photo à la Yosomon, on était en face. On va finir avec cette question. Votre lecture ou votre position par rapport à ces conflits observés ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Entre qui? Les hommes de Dieu se tirent des ficelles. Moïse Mbeye, Mike Kalamba, ça ne colle pas. Vous êtes leur grand frère ou leur papa. C'est quoi votre position? Max, c'est un petit à moi, c'est un fils à moi, Moïse aussi. Moïse est parti vers une réclamation des gens qui le menaçaient, lui faisaient du mal, il avait raison, j'ai vu des preuves. Après, ça a dégénéré avec les gens de Majabou, ça a dégénéré avec Mike, oui. Et nous sommes des humains, un mauvais théâtre. Preuve, on a vu Teddy qui est parti parce qu'on l'a volé. Donc, il y avait du vrai à l'intérieur. Alors, maintenant, comme les choses sont claires, c'est là où la place, il y a des aînés qui se réclament, des aînés des Congolais. Ils devraient nous réunir pour dire que toi et toi, vous êtes même père. On doit mettre ça, les choses par terre. Apôtre Motomo m'a appelé et Denis, c'est mon petit frère. Laisse Francis Tatou. Moi, je vais m'occuper de Tatou. J'ai laissé Tatou. Il s'est marié, il est revenu. Dimanche, il m'a appelé pour partir. J'ai dit non, je ne pars pas. Toi-même, tu pars d'abord. On peut me faire des pétages là-bas. Moi, je reste dans mon coin. Il est parti. Il l'a fait pour Tatou. Il peut le faire aussi pour Moïse, avec l'autre. Mais pourquoi ces aînés-là n'arrangent pas la situation? Parce qu'ils ne contrôlent pas la situation. Parce qu'eux-mêmes aussi ont des problèmes entre eux, ils ne s'entendent pas. Alors, je dois prendre le relais. Vous êtes aussi aînés. Voilà. Donc, je les ai d'abord donné la responsabilité pour n'avoir la moitié. Mais maintenant, là que je vois qu'ils sont incapables de faire, moi, je vais prendre les relèves, je vais appeler Mike, je vais appeler tout le monde. Bonsoir. Natika qui, parce que, Nani,
oyonani okomone nan milou nde muto aye na TV ko bel sa makambo ponga na koma deja na relation a bien na Mike aye ko attaquer nga ne na kenda ki na zwele moi missile sol mi balé na sali mais esili nango na petit ki pe po petit na na obome pour eux donc na tikié mais to koma deja loin pourquoi zone 5 nga sima mais na zone 10 na obenga Mike na obenga Moïse Moïse a auto benga nga on a raté quand l'émission na sali donc na obenga e et puis na okende pas Moïse na c'est bon. Maintenant, il est temps qu'on fasse la paix. Je vais associer tout le rôle à Bapaye, le rôle à Menan et Musulman, le rôle à Abedassou, comme à la relation à deux côtés. Nous avons Bapaye, nous avons les hommes, tout ça, la paix, comme ça, nous avons la kimia. Et ce qui est autant pour la paix, mais au moins qu'il se salue. Je vais le faire. Bon, moi, je n'ai pas conseil. Non. Peigné. Bon, il y a un mutu musu. Ça continue dans le cas. Il y a un mutu musu, il faut qu'on nzambe yemo s'occuper naye. Nabia, prophète Mongoboué, au cheval et l'obisaï. Pierre, ce sont mes tatéaï. Et ça, mutu musu, à combien de niveaux moko, net bouquet, au hôtel. Mouta offing à mutu mutu, le rôle pour lui à 4 heures. Bon, mutu anan à niveau à ça, on anan à hôtel. Délivrance peut-être. Té, on est comme il y a un nzambe yemo, topé nature, topé par circonstance et à vie. Na kaza bolongo ke bisai abimi bolongo kana kata avion abani na babilo ana peyi soto sokoko na pezo mote papa sokoto oyo ndani abani kala mutu lokola ngombe fula fula ezozo ngasimeto boki pene do umuni penel ada mwa mu malamu ana na conflictuel te andu mate conflictuel te lokola ninyeti nda sala makelela so ba provoquer akoma mwa kontrola neti atoko ba provoquer bana alinga bana ne trop do azala zukumana beli manga komeli abinelo zomona ala bana yo tala bana bakomi na bapilote boye ba ke de classe tabe ah bana bana fièvre bana ndako tina bana mwambongo pe to sura oh 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 ah ok ça va ou a bosa le pe ba passeport aye na ba passeport ko to or kuna na tribunal bando bayi mutawozwa ba passeport la mwasi. Il y a eu beaucoup de dégâts. Ndé a moi pété. Ndé na yebeli era pété wala mwana lobana été. Na yebiga obenga ngaye mo. Appelez moi bien. Papa, ça va? Oui, na bi bon. Tu es content? Abi, je sens quand même que ça va. Oh, encouragé. Ce n'a encouragé été à Ozongela. Donc, na bi ça va. Tu t'es exprimé abi oui. Na ero na siko na bani kolobela oyo biete oyo biete neti koto bapanga yana il voulait seulement dire tout simplement que bana oyo soka komi buito esto malade yana ngo pona famille ya ba Mike bazana biloko wana mais abimisi mo ya mongol ayi langue te ayi biloko bilete moi je le comprends mais les gens ne comprendront pas ça parce que ngana sina za na ibabi papa tu peux partir hein tu peux partir je me régler ces problèmes là seul. Na ko resiste te pa o mankinga nake ti e mo amoni erreur nae na zongile ngabe ah tu avais raison ba ta ba jang mo ko balinga ba pe sa ba mo respect il se sent que tout le temps les gens lui disent qu'il est malade il est ceci une femme on le dort l'autre une femme c'est quelqu'un qu'on est en train de maîtriser une femme on lui parle avec tendresse Mike aza pasteur aza na semence pe ya biso ba ndeko na biso ya baluba domination sur basi et fria kataza passer à la autorité mo ce que bana mais poto, bon. Mais t'es bon monté moi na moi si ya poto a différent na bana na biso ba koli na kin kino gangia akiti mais moi na poto ba la tie que aux an égalité bien que égalité amo ils a rapendate mais ba yip si ba mo bon na école ba teyé loi pe teyé maman na ndako teyé ngana mona na poto moi na zo bunana maman baza na procès mais ba na ndako mo. Bah après ça la paix va mode. Mais maman n'oublie pas, hein, il y a le procès vendredi. Mais yo yebi que tu vois ça, bah comme ça, ma honi, ma maman insulté. Il peut pas me toucher, il m'a touché, il a tapé là. Je sens mal toujours jusqu'à aujourd'hui. Le docteur m'a dit que je suis traumatisé. Donc mille qui ont abattu ça, bah na ya poto et comme ça, maman, biloko mon bon a évité ce que comment. Alors à ce moment, yon bah na ganso bah qui peut tout mon en arrêter là bah on a nous bah hier 4 ans le soir après dans une semaine on peut bah zoa décalage t'es pour moi na gamo oh là tu as violé mon intimité ah oh y a mon moni pénal sur bah c'est bisexuel moi on est na gosu kola na mupaya pour naier ils allaient à toucher ma sexuelle
Donc moi je crois que ces questions, Mike c'est la seule personne qui peut maîtriser Penel en utilisant la stratégie de la tendresse. Marie va séparer. Oui, tu as raison de ce côté-là, mais est-ce qu'on ne peut pas travailler comme ça là, pour les enfants? Excusez Penel, ça va? Tu vas bien? Oui, tout ça. Ok. Tout le temps, Bibi Selebima Zamutakala, Yokoto Zo fêté. On voit qu'il y a une guerre. Oh, Mike peut terminer ça. Mais il y a un courage à mais il y a un courage à Kobanda. Donc pour terminer, il y a un courage à Kobanda. Après, il y a un courage à parce que depuis Kabwana, on a résisté à côté de la terre, on a Marguer sa mère. Et quoi empêcher, peut-être moi, on en a perdu un traumatisme. Moi, je crois que c'est pas si grave que ça. Bangoumi balé, baye bani. Une seule personne qui peut adoucir Peniel, il y a des Mike. Merci. Pourquoi? Parce qu'avec la douceur, il sait qu'il s'énerve vite. Il doit aller avec douceur pour faire passer un message. Ils seront des amis. Ce barozon, on a été basé à la table amis au nom de leur enfant. Moi, je crois qu'il dit comment on a trotté. Tout prier pour éternel, s'il ne peut pas se remarier, alors qu'il soit des amis. Le message est parce bien. Que Mike n'est pas Satan, l'autre ce n'est pas Satan, ils n'ont que des faiblesses. Très bien. Alors moi je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire. Merci beaucoup à vous, prophète Denis Lessi. Un message pour message. Tous les habitants de Lubumbashi et de tous les Katanga. Les Katanga, j'aime les Katanga. Parce que c'est trop classe, c'est trop serré, c'est trop bien. Donc il y a des choses que j'aime à Lubumbashi et puis les Katangais sont des gens très sérieux, très classiques et puis des gens qui aiment beaucoup les études et tout ça. Bon, moi je crois que je vous aime beaucoup parce que je dois beaucoup au Katanga parce que j'ai étudié là-bas, je dois beaucoup au Katanga. Parce que j'ai eu beaucoup de relations qui m'ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc on vous attend. Oui, je reconnais vraiment Katanga est une terre des gens qui m'ont béni dans mon ministère, Moyambo, tout beaucoup de procureurs, beaucoup de gens que j'étais ami avec eux, les John Kabila et tout là, Kabila lui-même ainsi que tous les autres Katangais, des papas qui est mort là, l'autre là qui était Inadef. Et puis le papa qui était ministre de la justice, ouais. Il était maître bâtonnier qui travaille avec l'autre là. Baza Batou Oyo Baedanga. Après ça, ba parcelle, ba pamolanga, même son fils là qui était ministre encore. Christian Mwando, tout ça, banane. Ce sont des gens bien. Ba famille Billy et Sungangaï. Donc il y a Katanga, je dois au Katangé ça. Tant on a bâti un poison, on a dit Bosso a somme linga a tchenga ba visa. Et d'aller archevêque ou à grande quoi Moïse Wana. Archevêque ou à catholique. Il y a protestant, il y a réveil. Ou à Mimara, Fiou, il y a sud-africain, on a un campagne. Je ne me rappelle pas. Polémoé. Ah, Paulin Mouéwa, voilà. Ok. J'ai été invité chez lui, il m'a béni beaucoup d'argent. En tout cas. Et Paulin Mouéwa m'a aidé. Je suis allé à un visa. Je suis allé à Portugal, en Afrique du Sud. Moïse a été mongo, batali bosso na réaction. Après le président Kabila, il a eu charge. Il a eu un charge. Il a eu un charge.
grâce à la Katangé. J'en ai beaucoup à remercier les Katangé. Donc, vrai est que les peuple Moko et Pessaïnga et Bélé. Je vous dois beaucoup ça. Ils sont toujours comme ça. Et, ils sont oui, bon. Oui. Et puis, Pessaïnga et Intelligence, on a dans la Molélo parce que l'université là aussi m'a donné ma famille. Moi et Roger Lessi, lui, il a fait les RRI. Bisognons, on a baroubé roi. Maman Ouana Pénani. Maman Fifi Nalou. Oui. Maman Tigala Gawana et Tikawana Po. Titile na yo azwanga tiana la bolo. Oh. Ou à la ministre intérieur. Mouyez. Mouyez. Ma bé na bango soba kanganza ma psali bango pétage. Bango tout balongwe. Donc malheureusement, na conseil spécial à présent, mouté bakange. Ou à Tigala. Yo kota politique. Té na kota mouyez. Na lobi. Té. Obi mouyez a son athé, maman Fifi a Tikala. Hm. Pour mouyez a kote sa bolo. Mais yé on a l'accent à la TV. Moussa l'ensemble. Nous avons un ticket. Émission est ce qui. Non, il n'y a pas de j'ai besoin de l'été. On a besoin de l'été. Le cœur de Dieu. Maman Denise, t'es. Maman Denise Nakero. Maman Denise Nakero. Et puis Abed Achou. Et puis, oui. On a besoin de l'été. On a besoin de l'été. On a John Abbé, le meilleur restaurant. C'est un partenaire. Le meilleur restaurant, il faut pas qu'il y ait un restaurant. Et puis, Ketchi Lola, tu as un bon table, Djezola, Moutalombi, et puis voilà, on a reçu un ambulo, on a reçu un ambulo, on a reçu un ambulo, mais ce qui est le bureau pour nous commencer. C'est là, ma banga. Papa, pour voir, va tout fort. Ma banga. Mesdames et messieurs, nous sommes banga arrivés dans la macam. Depuis le coroner, vous avez dit ça. Des amis qui nous disent. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Batouni Mouyamou. Spécialement à Kinshasa, j'ai dit merci personnel. À Mathurin Tchananga qui a assuré notre transport jusqu'à Kinshasa. Merci à Patrick Djamba qui nous soutient aussi, l'honorable Yannick Lumbu, l'honorable Cédric Tshizainga, merci à vous. DG Adam Tchalwe et tous les bureaux de programme, merci pour les efforts que vous ne cessez de faire pour l'évolution de Malaïka. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Bisous, bye.